Bonjour Benjamin, donc de nouveau ici un autre exercice qu'on peut faire dans ce parcours Vita. Si vous avez un accès à des barres parallèles ou à des anneaux, parce qu'il y a des anneaux ici aussi d'ailleurs. Donc comme expliqué, ce parcours-ci est vraiment bien équipé, mais c'est pas rare d'en trouver en Belgique. Si vous regardez un peu sur internet, ça change un peu de travailler en salle dans une box, d'accord, ou dans une salle de fitness tout simplement. Surtout pour l'instant il fait beau, donc on va faire des dips avec un travail d'extension et de flexion de hanche. On va vraiment remonter très haut pour engager tous les muscles de la scapula, notamment le dentelé antérieur ici, donc des muscles importants pour la stabilisation de l'épaule. Et alors en même temps on va profiter pour faire un peu de gainage en position haute. Donc exercice très complet. De nouveau, à vous de voir la modalité. Moi ici, comme je suis en train de courir et faire différents ateliers et puis je vais recourir, je fais plutôt des 5 répétitions et c'est un round, je fais 10 rounds et je le fais en 4 time pour l'instant. Et quand je suis un peu fatigué, je fais plutôt en home sur un autre atelier par exemple pour avoir une récupération entre guillemets active. À vous de voir, vous pouvez le faire en wrap aussi, hein, mais là ça arrachera encore un peu plus. Donc vous prenez la barre, forcément bien venir monter ici. Voilà, j'ai un petit peu reculé pour la caméra. Voilà. Une fois qu'on est bien positionné, on se gaine, on descend, on tend vers l'arrière, on monte bien haut et flexion. Descendre, pied vers l'arrière, engager les paravertébraux. On remonte bien haut et gainage. Voilà. 3, 4, 5. Okay. Donc ce qui est vraiment important, c'est vraiment descendre en arrière en banane, vraiment pour gainer vraiment au niveau des paravertébraux, de remonter ici et puis d'encore aller plus loin quand les coudes sont tendus, descendre les épaules et engager au niveau des abdos. Alors vous allez voir, c'est hyper complet. À vous de jouer les amis.